Machin, salut à tous, c'est Assalamu Alaikum, c'est mon frère et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On va prendre l'IA, on va lui faire croire que je suis gay, que mon mec c'est Kenny, et on va voir sa réaction, d'accord? Ah, parce que t'es la femme? De quoi? Ah, parce que t'es la femme? Ah, la femme ou un mec, c'est pas grave, on s'en fout, c'est la même, bref. Et Kenny, défonce-le le fion. Ah, ta gueule, putain. C'est chaud ma gueule ce que tu me racontes là. Ah, c'est pas grave. L'IA! Oh mais t'as vu ça, c'est relou. L'IA! L'IA! C'est bon, ça va. Non, je te... Frère, je te juge pas. Regarde, des Grey's Anatomy, c'est trop triste. Attends, j'arrive. Regarde, des Grey's Anatomy, c'est trop triste, la mère d'une fille, alors. Ouais, et j'allais dire, tu peux t'asseoir là? Quand vous faites des bails comme ça, vous, je le sens. Non, franchement, regarde. Ton téléphone est en train de charger ici. Regarde, ton téléphone est chargé ici. Montre-le ta caméra. Ton téléphone, il est là. La caméra, elle est là. Regarde, t'as vu? Regarde, son téléphone, il est là, il charge. Mon téléphone, il est là. La caméra, elle est là. Elle est fermée. On peut pas... Regarde, et la caméra là. Impossible de te niquer, là. On a rien. Là, c'est vraiment quelque chose de sérieux, Vas-y, je t'écoute, alors. Mais faut pas que tu le prennes mal, hein. Je sais, tu vas me dire oui, mais mon ami, nanana. Voilà, bref. Non, mais c'est chaud, mais. Je juge pas. Je juge pas parce que bah, c'est pas bien de juger, c'est tout. Je suis gay. Ouais, je sais. Non, je sais. Là, j'ai aussi rigolé. Il a eu la même réaction. Non, mais explique-lui l'histoire de Kenny là. Non, je suis. Attends, je rigole. Excuse-moi. Non, mais il a eu la même réaction, tu peux y aller. Hein. Je suis gay. J'ai bailli, je crois. De toute façon, c'est la réaction de tous les gens qu'on leur avoue. Le pire, c'est qu'elle est en larmes. Hein. Il se fout de ma gueule. Non, il se fout pas de ta gueule. Je suis gay. Il se fout pas de ta gueule en fait. C'est pour ça qu'il est avec Kenny. Je suis gay. C'est pour ça que je suis avec Kenny tous les jours chez moi. Pourquoi Kenny est à la maison, ton avis? T'es pas sérieux, jamais. Bah, si. Je suis gay, ça fait. Ça fait à peu près un petit mois. On est ensemble, on est installé ensemble. Et puis, puis voilà quoi, tout se passe bien. Pourquoi tu me dis ça? Parce que j'avais envie d'en parler. Parce que bon, on a des amis quand même à qui. Ouais, je sais, mais ça me fait. Ça fait 5 ans qu'on le connaît. Ça me choque un peu parce que je pensais pas, mais après, ça me choque, mais c'est ton choix quoi. Après, moi, je dicte pas la vie des gens, ils font ce qu'ils veulent, tu vois. J'ai rien contre les gays donc. Ça te choque le fait que ça vienne de moi, Jaoui? Ouais, parce que je te connais, enfin, toi je te connais et je sais que tu parles avec des filles et tout. Attends, c'est pas pour ça que t'as quitté ta copine quand même. De quoi? C'est pas pour ça que t'as quitté ton ex là. Ah si, c'est pour ça, parce que j'ai une préférence pour les hommes. Ah, t'es pas gay, t'es bi quoi, enfin t'aimes les deux quoi. Ah non, enfin, avant j'aimais les femmes. Ouais. Avant j'aimais pas les hommes, maintenant, enfin, j'aimais les femmes. Après quand j'ai quitté ma copine, mon ex, et bah après, je me suis dirigé vers les hommes. En fait, tu vois, je m'en fiche, hein, parce que tu fais ce que tu veux, tu sais, c'est ta vie. Après, moi, je juge pas, tu vois. Mais en fait, ça me fait bizarre parce que c'est toi, tu vois, parce que je te connais bien et tout. Parce que, je sais pas, Abdel, il te le dira, moi, mon meilleur ami, il est gay, tu vois. Mmh. Donc, ton meilleur ami, tu parles même plus. Oui, bien sûr que si, je lui parle. Hein. Vite fait, quoi. Téléphone. Oui. Par téléphone. Bah, oui, on se parle. Bah, on habite loin, tu vois. Mais ça reste mon meilleur ami, tu vois. Mais... il est gay, donc tu vois, c'est pas quelque chose qui me gêne. Enfin, tu vois, j'ai rien contre les personnes qui sont gays, mais venant de moi, j'ai pas, en fait, je rigole, mais. Non, mais je comprends, mais y'a pas de soucis, hein. Tu vois, ça me. Non, mais y'a pas de soucis, tu peux rigoler. Et mais tu comptes en parler ou tu. Je compte en parler, ouais, j'en ferai, je l'annoncerai à mes parents.
Mais par rapport à ta communauté, tu comptes en parler ou pas? En plus, tiens, par rapport à la religion, c'est vachement. C'est là, ça, là, là, c'est. Alors là, tu vas te prendre tous là, les jugements des Ryan, des Abdel comme moi, des. Là, c'est un taxi VIP qui a eu l'air me chercher en enfer. Parce que c'est vrai, c'est, par rapport à la religion, c'est contraignant. En fait, ouais, je sais, je parce sais. Parce que sais. C'est pas bien dans notre Je sais, religion, ça l'encontre de ma religion, je sais, c'est vrai. Mais après, c'est ton choix, enfin, tu vis comme tu l'entends, mais ouais, tu mais... comptes en parler à la communauté. Je compte en parler à la communauté, à mes abonnés. Tu as pas peur d'arrêter des gens? Ah si, j'ai peur. Ça va être violent. Hein, ça va être hardcore. Enfin, moi je pense qu'il faut que tu prennes un peu du recul par rapport à ça parce que tu vois, les gens te connaissent d'une façon et ça va être. J'arrête. Moi je veux dire un truc. Je veux dire un truc. Non, mais attends, je veux dire un truc. Moi je veux dire un truc. Attends, Lia, s'il te plaît. Moi je veux dire un truc, frère. Essaye d'avoir deux frontières. Essaye d'avoir deux mondes. Le monde d'internet, le monde d'internet et YouTube, et la vie réelle. Même les abonnés. Certains te diront, mais Jawed, on s'en bat les cacahuètes, tu vois. Enfin, pas on s'en bat les cacahuètes du sens, oh t'es gay, putain c'est grave ou c'est pas grave. Pas à ce niveau-là. Pas, mais c'est même pas les gens, ils sont là juste pour se marrer dans tes vidéos, tu vois. Et Jawed, en disant ça, tu donnes à certains la ceinture pour te faire fouetter, frère. C'est pas grave, au moins ils sont courts, hein, c'est pas grave. Au moins je me fais fouetter, c'est pas grave. Et dernière chose, après c'est fini. Après, moi je voulais juste te dire que franchement, ça me gêne pas. Tu devrais pas le dire, jamais. Tu devrais pas oui, le dire. Oui, bah on verra. On verra selon l'humeur. Mais en tout cas, voilà. C'est, Tu devrais pas le dire, frère. C'est pour toi. C'est on verra. Sympa, on verra, Abdel. On verra. C'est ton secret, frère. Et on compte à faire un. Comment on appelle ça? Un pacte ou l'impact ou là, je sais pas quoi. Là. Ouais. Un pax. Ah, ce paxé, ouais. Ce paxé, ouais. Ouais. Devant la mairie. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble, en fait? Ça va faire un mois. Ça sera peut-être un peu tôt, enfin, ouais, c'est après, pas grave. Tu fais attends, tu vas pas aller nous faire mariage à Las Vegas devant comment il s'appelle là, Elvis, là, notre lui. Non, après, je te dis, parce que tu m'en parles, alors je te dis ce que je ressens. Tu fais ce que tu veux, c'est ta vie, Jawed. Mais après, je pense qu'il y a des choses que tu vas pouvoir dire à ta communauté et d'autres que tu ne devrais pas forcément dire. Moi, je vais faire comme News Titeuf, j'annonce tout, sa mère. Après, si tu le sens comme ça. Ouais, mais New Titeuf, justement, il a. Enfin, t'as vu le Meskin? Lui aussi, il a pris cher, le pauvre. Hein. Ouais, ça a pas lieu d'être. Ça a pas lieu d'être qu'il prenne cher. Chacun fait ce qu'il veut. Voilà, chacun fait ce qu'il veut, mais je vais te dire pourquoi. Je vais te dire pourquoi New Titeuf prendra ça moins cher que toi. Parce que toi, t'as une grosse communauté de rebeux, tu vois. ça, c'est ça qui est la différence entre toi et lui, frère. C'est comme par exemple, certains youtubeurs, ils parlent ouvertement de cul parce qu'ils ont une communauté qui est un peu ouverte. Eh ben, toi, tu peux pas te permettre ça. Par exemple, toi, tu peux te permettre de faire le con, tu vois. Tes abonnés vont dire, ah, Jawed, t'es un tueur, tu vois. Alors que c'est là qui fait le con, ils vont dire, mais toi, t'es un débile, t'as pas honte, t'as tel âge, t'as tel si. Donc, chaque youtubeur a un peu sa communauté qui lui va. Ouais. Et toi, ta communauté, frère, elle accepte pas. Voilà, c'est pour ça qu'il est tout le temps à la maison. Là, il est parti chez ses parents, il est parti en parler. Et puis voilà. Ah, parce que lui, sa famille, ils savent pas non plus que. Ouais, et ça, il en a parlé, mais ses parents, ils l'ont bien pris, c'est bon. Ils ont dit, ok. Après, c'est un français, on sait pas. Moi, tu verrais chez moi. Pourquoi c'est pas pareil? Les français aussi, hein, ils aiment pas. Non, chez les français, chez les. Ouais, attends. Chez les français, faut pas mélanger parce que quand t'es chrétien, c'est grave, hein, je crois. Oui, non, mais c'est grave. Mais. Enfin, moi j'ai des amis qui sont gays, qui sont français, ça passe très bien dans leur famille. Je pense que toi, si demain. Non, ça dépend. Alors, c'est vrai que dans les familles robots, elle est rare la famille robot qui acceptera un enfant gay. C'est vrai que c'est dur. Enfin, bref, quoi qu'il en soit, on va partir en débat. J'ai pas envie de faire un débat. Voilà. Moi, je voulais juste en parler. Je suis gay, on va faire un pack sur l'impact, t'appelles ça comme tu veux. Je m'en fous. D'ici là, je rentre à Paris là demain. Et puis voilà. Donc voilà. On n'a pas fait des choses bizarres. Ça tourne coquin. Oui, mais même. Non, mais c'est important de le dire. On tourne coquin, des bisous. Voilà, c'est tout. Ça s'arrête là. On s'offre des peluches. Des trucs comme ça, quoi. En fait, non. Tant mieux. On va à la fête foraine. On mange des pommes d'amour. On mange des barres à papa. On boit de la boisson. J'ai pas trop envie de savoir ce que tu fais avec Kenny. Mais. Donc voilà. Après, tu fais. Donc voilà, parce que ferme ta gueule, tu es moche! Non, je rigole, c'est ta gueule! T'es moche! On est sommes en prank! Il fait pas beau! La vidéo est là! Tu es moche, ta gueule! Regardez, frérot! Tu vas comprendre pourquoi! Parce que pourquoi? Parce que regarde, à chaque ta copine, elle est pas habillée, tu vas comprendre pourquoi! Tu es moche! Attends, j'ai mis pause en fait exprès. Attends, hop! Je monte. On l'a caché ici, derrière le paquet mais Twix. Si tu m'as pas montré ton téléphone. Ici, on l'a caché. Bah non, c'est pas vrai en fait. Ça, c'est celui de Tabdel. C'est pas vrai en fait. Allez, ça, c'est mon téléphone. Là, ici, en fait, c'est pas le téléphone. Ta gueule, deux secondes. Tu es ici, c'est pas le téléphone de Jawed. Ta gueule. En fait, si, c'est les boîtiers. C'est les boîtiers 4G qu'il y avait ici. Donc, c'était faux.
Enfin voilà. Bon, mis à part ça, c'est pas grave. Enfin, c'est un prank, mais ça reste quand même que je suis gay. Petite pédale, va. Aouh! Petite pédale. Adèle, je sais que t'aimes ça, cochonne. Ça fait 15 fois qu'il lève la main dans la journée, lui. Je te fouette, cochonne. Tu le prends pas mal, Lia? Non. Alors, au contraire, tu dois être soulagé un peu. Non, bah après, c'est. Tu devrais être soulagé que je plonge ma. Chez les meufs. Hein? C'est très bizarre ce qu'il raconte là. Hein, Mirzouille? Ça va, tu fais des caresses? Tout de suite, hein? Il aime les animaux aussi. Abdel, sale, croyant, putain. Quoi? Je dis jamais, il aime les animaux. Bon, Lia, encore désolé. Les chers, on laisse sur cette fin, Yard Baron, comme ça, Foloscom. On laisse sur cette fin. Tchao, bye, Simer. Elle fait 2 minutes, tu peux l'arrêter.